Extrait numéro 53. Jésus monta sur un âne que nul au monde n'avait jamais monté. En fait, ce n'est pas sur ce verset que je suis tombé ce matin, mais sur celui-ci. Ils amenèrent l'âne à Jésus et, jetant sur lui leur manteau, ils y firent monter Jésus. Comme je ne me rappelais plus qui étaient ces « ils », je suis reparti au début du paragraphe pour le lire en entier comme je le fais souvent et ai découvert que cet âne, nul n'était jamais monté dessus. Affirmation incontrôlable qui doit forcément signifier autre chose que ce qu'une première lecture peut laisser entendre. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu inciter l'évangéliste à donner cette précision ? D'un coup, je saisis qu'il a voulu souligner une vérité spirituelle autrement plus importante que ce qu'une première lecture rapide pouvait laisser penser. De même que nous nous servons aujourd'hui de l'image que donne de nous notre voiture, Jésus choisit de défiler devant la foule, même pas sur une ânesse, l'âne, propriété des pauvres, symbolise l'humilité, mais sur le petit d'une ânesse, pour montrer combien se trompent ceux qui n'ont rien compris à son message et veulent le faire roi. Le but de la précision, personne n'est à ce jour monté sur l'âne étant double, dénoncer la vanité qu'il y a à se manifester puissant, comme le font les grands de ce monde qui prennent pour monture des chevaux, et souligner qu'avant Jésus, personne n'a atteint un tel sommet d'humilité. Ainsi, devant cette tentation qui ressurgit en arrivant à Bethphagée alors qu'il ne s'y attendait pas, Jésus choisit-il une image forte pour revenir sur la vanité du paraître, en mettant lui-même en pratique cet enseignement qu'il a dispensé dès le début de sa mission publique pour raconter comment, pendant sa retraite de 40 jours dans le désert à Nazareth où il se préparait, il a lui aussi été soumis à cette forme de tentation. De même que l'accueil inattendu de la foule à Bethphagée a été une occasion de plus pour Jésus de montrer de façon concrète que la foi ne consiste pas à dire, mais à faire, cette anecdote est là pour enseigner qu'il faut prendre l'habitude de chercher à devenir humble, en profitant de toutes les occasions qui se présentent pour monter sur un âne sur lequel je ne suis jamais réellement monté. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer « Auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.